C'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Les meilleurs joueurs viennent de où ? Les meilleurs joueurs viennent des cités. Il joue Franck comme un enfant jouerait avec ses copains sur un terrain vague. Il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. Ouais. Il est le meilleur joueur français du moment, l'un des meilleurs footballeurs au monde, champion d'Allemagne, sacré meilleur joueur de la Bundesliga et vainqueur de la Ligue des Champions. En 2012-2013, Franck Ribéry a réalisé la meilleure saison de sa carrière, faisant de lui un candidat légitime au Ballon d'Or, au même titre que les deux stars planétaires Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Bienvenue dans les grands docks de l'équipe 21. Nous sommes en 2006 et dès les matchs de préparation pour la Coupe du Monde de football, les Français se prennent d'affection pour un jeune joueur, nouveau venu en équipe de France, Franck Ribéry. En une compétition seulement, il devient le chouchou. Adoubé par Zinedine Zidane, aimé des Français pour sa fraîcheur et sa spontanéité. Ce que vous allez vivre, c'est l'ascension fulgurante d'un joueur aux qualités techniques exceptionnelles. Une grande vitesse d'exécution, un sens aigu de la passe décisive. Mais c'est aussi comprendre une personnalité atypique. Un homme né dans la cité populaire du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer et qui ne cesse de se construire dans la douleur. Il affronte et surmonte tous les obstacles qui se dressent devant lui. Des moqueries aux revers professionnels, vous allez découvrir la vraie histoire de Franck Ribéry. Franck Ribéry, à l'origine, de 1983 à 2006, un documentaire de Damien Piscarel. Bon doc à tous. Je suis quelqu'un qui ne me pose pas de questions. Quand je suis sur un terrain, c'est le ballon, c'est tout, quoi. Quand on habite dans un quartier, c'est pas toujours facile, mais faut pas oublier ses racines. Stylo, Paco. Allez, chemin vert. Raymond Domenech, le sélectionneur de l'équipe de France, vient donc de dévoiler sur TF1 la liste des 23 joueurs qui disputeront la Coupe du Monde à partir du 9 juin en Allemagne. C'est un nom qu'une partie du grand public va découvrir en direct à la télévision. Un dimanche matin du mois de mai 2006. Ce nom, c'est celui d'un jeune espoir du football français alors âgé de 23 ans, Franck Ribéry. Nous sommes le 14 mai 2006. Le sélectionneur va égrener le nom des joueurs convoqués pour le Mondial. Une annonce suivie par des dizaines de journalistes. Parmi eux, Vincent Duluc, grand reporter au quotidien L'Équipe. Comme beaucoup de spécialistes, il parie sur la sélection de Franck Ribéry. Franchement, on se dit oui, il va y être. Parce que pour tout dire, le lendemain d'un match de Coupe de France, Lyon-Marseille à Gerland, Lyon était la meilleure équipe de France et de loin à l'époque, et il les avait tout remontés dans des proportions inimaginables. Donc le surlendemain dans L'Équipe, j'avais écrit, franchement, Ribéry doit aller à la Coupe du Monde, voilà. Donc c'était une vraie attente. À Marseille, les caméras de télévision sont déjà en position dans le salon de la famille Ribéry, lorsque tout à coup... Franck Ribéry apprend en direct sa sélection pour la Coupe du Monde. Des moments comme ça, je pense qu'on ne peut pas oublier. C'est le plus beau jour de ma vie. Une joie spontanée, partagée avec François, son père.
À ce moment-là, Franck Ribéry n'a jamais été convoqué chez les Bleus. Il ne compte aucun match de Ligue des Champions. Pourtant, dans quelques jours, il va côtoyer Zinedine Zidane, Lilian Thuram ou Thierry Henry, champion du monde 1998, idole de toute une nation. Honnêtement, je ne sais pas la date, je ne sais rien du tout. Je ne sais même pas comment il faut m'habiller. Je sais pas quoi. Je sais très bien qu'il faut prendre les chaussures de foot. Ça, c'est le plus important, c'est l'outil de travail. Mais je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Jean-Alain Boumsong fait lui aussi partie du groupe France. Pour le défenseur, la sélection de Ribéry bouleverse la coutume. J'en avais entendu parler, mais le joueur, l'homme, non, je ne connaissais pas vraiment. Et il faut dire que ses performances avec l'Olympique de Marseille étaient prodigieuses sur la saison. C'était assez surprenant parce que c'était pas souvent dans les habitudes de la maison, entre guillemets, de faire venir quelqu'un directement pour la Coupe du Monde sans être passé par des matchs amicaux au préalable durant la saison. Hop, le fait d'être appelé, on se dit bon, oula, il y a des habitudes qui changent. Bon, c'est des bonnes habitudes, c'est ça la surprise. Une surprise pour les uns, une implacable logique sportive pour l'homme qui le voit progresser au quotidien. Lors de la saison 2005-2006, Jean Fernandez entraîne Franck Ribéry à l'Olympique de Marseille. Les gens sont surpris parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais vous, quand vous l'avez pendant une saison au quotidien, vous savez ce qu'il est capable de faire. Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de fraîcheur physique, fraîcheur psychologique et tout. Donc moi, je ne suis pas surpris. Moi, j'étais convaincu que Raymond allait l'appeler. Et j'étais non seulement convaincu qu'il allait l'appeler, mais j'étais convaincu qu'il allait le faire jouer. En quelques heures à peine, le destin de Franck Ribéry a donc basculé. Il est désormais la curiosité des Bleus, pour ses partenaires, pour les supporters, pour les médias. Franck, vous l'avez vraiment appris par la télé ce matin? Il vous avait pas téléphoné avant, Raymond Domenech? Non, j'avais pas eu de nouvelles de Monsieur Domenech. J'ai appris comme tout le monde ce matin à Téléfoot. Dès la publication de la liste, il apparaît sur les plateaux télé. Franck Ribéry, entre l'excitation de figurer parmi des monstres sacrés du football français et une profonde humilité. Vous pouvez dire Raymond Domenech, vous n'êtes pas obligé de dire monsieur hein, maintenant. Ouais, c'est sûr, mais bon, ça reste toujours quand même le sélectionneur de l'équipe de France et qui est très important pour la France. Hélène Foxonnet suit l'Olympique de Marseille depuis près de 20 ans pour le groupe L'Équipe. En 2006, elle interview Franck Ribéry juste avant qu'il ne rejoigne le groupe de Raymond Domenech. En fait, il se pince pour croire qu'il va être dans le même groupe que Zidane quand même. Il dit, si je sors à un moment donné et que je suis remplacé par Zidane, je vais aller lui demander son maillot. Mais c'est mythique comme phrase pour un jeune joueur qui va se retrouver en équipe de France. Bon, il est très concentré. Quand il rejoint l'équipe de France, il dit qu'il n'amènera pas sa femme pour pouvoir travailler, se concentrer sur le jeu. Il n'a pas dit, je vais lui faire découvrir l'équipe de France et le milieu, c'est super, quoi. Non, il a quand même pensé au travail d'abord. Tigne, en Savoie. Traditionnellement, les Bleus entament dans les Alpes leur préparation avant une grande compétition. Une station de montagne à l'ambiance familiale, l'idéal pour créer des liens, souder un groupe. Finalement, Ribéry arrive avec femme et enfant, mais son but reste le même, s'intégrer le plus rapidement possible. Le premier jour, vous arrivez, vous êtes... faut être cool, on peut pas. Vous pouvez pas. Ils vont mal le prendre, les anciens, de toute façon. Vous arrivez, le premier jour, vous commencez à vous comporter comme si vous étiez là depuis des années. Oh, ça, c'est jamais bien vu, ça. C'est jamais bien vu. Donc, il est resté en retrait. Ah oui, le bizutage habituel, c'est chanter... C'est une chanson, un bonjour, où tu te présentes et tu fais ta chanson. Alors je ne me souviens plus quelle chanson il avait chantée, mais tout de suite, hein, il a pas eu froid aux yeux. Il avait un peu le trac, et on l'a mis à l'aise. Et je pense que ça aide, ça participe. Ce petit bizutage permet à l'autre d'être un peu, allez, sois ridicule, on t'en veut pas, on est une famille. Très vite, sa joie de vivre, son envie, sa spontanéité séduisent. Pourtant, tout l'oppose, ou presque, au cadre de l'équipe de France. C'est un peu un chien fou dans un jeu de quilles, notamment dans le match amical qui a lieu à Lens, où il est chez lui, où à la fin du match, alors que le match a été moyen, il fait un tour d'honneur, il appelle la famille, il sent comme chez lui, alors que c'est sa deuxième sélection.
Et là, les autres lui disent, oh, calme-toi, ici, c'est l'équipe de France. C'était un peu ça à la fin. Ils ont dit, bah, t'en fais peut-être un petit peu trop, fais attention, c'est pas... Voilà, reste à ta place, mais c'était normal. C'est quelqu'un de vraiment spontané. Si on lui donne pas des limites, c'est pas lui qui va les bâtir lui-même. Mais Franck Ribéry atteint très vite son but, gagner le respect de ses partenaires. Restons très honnêtes, hein, il avait d'abord ses qualités de footballeur qui faisaient de lui un joueur quasi incontestable, puisqu'il le prouvait sur le terrain. Et le sport de haut niveau, c'est ça à la fin. Vous pouvez être un bon mec, un super mec, ok, on vous respecte, mais si en plus de ça, vous êtes un super joueur, vous avez encore plus le respect de vos pairs. Dans Ribéry, je me retrouve. C'est le détonateur. Il rentre, il calcule pas. C'est quelqu'un de très ouvert, souriant et travailleur. Vous l'avez vu à chaque fois qu'il est rentré, ses qualités d'accélérateur. Donc là, d'abord, il a prouvé sur le terrain, et ensuite, humainement, les gens se sont rendus compte que voilà, c'est un bon gars. Ribéry, un souffle nouveau dans un contexte incertain. La France reste sur un mondial raté 4 ans plus tôt en Asie, puis une élimination en quart de finale de l'Euro 2004. En Allemagne, la génération Zidane a une ultime occasion de marquer l'histoire. Et si Ribéry fait si vite l'unanimité, c'est aussi parce qu'il est adopté par le joueur le plus emblématique, le plus influent du groupe. Le 31 mai 2006, Stade Félix Bollaert à Lens. Lors du match amical France-Danemark, Franck Ribéry remplace son modèle, Zinedine Zidane. Instant symbolique devant ses amis, sa famille, à quelques kilomètres de sa ville natale, Boulogne-sur-Mer. À mesure que la Coupe du Monde avance, le leader des Bleus prend sous son aile le petit nouveau. Pour Zidane, Ribéry est un joueur rare, spécial. C'est quelqu'un qui marquera les esprits à chaque fois qu'il sera sur un terrain. Donc oui, c'est en plus de ça, il deviendra quelqu'un d'important dans le foot. Ouais. Quand il le prend sous son épaule, c'est de manière naturelle aussi sur le terrain, ça se passe bien. Et dans la vie de tous les jours, il lui parle. On sent qu'il y a, il y a un bon feeling. C'est des sourires, c'est des petites blagues qu'il accepte aussi. Hein, il se fait chambrer. Et ça, c'est vraiment dû parce qu'au fait qu'il sent que c'est un bon gars. Il y a la reconnaissance du talent. Parce qu'ils savent, les grands joueurs savent reconnaître les grands joueurs. Des affinités et une grande complémentarité sur le terrain. Jean Fernandez a entraîné Zinedine Zidane, puis Franck Ribéry. Cette complicité naissante lui apparaît comme une évidence. Zidane est très très fort sur le plan technique et Franck est très très fort sur le plan technique. Beaucoup plus d'expérience du côté de Zidane à l'époque parce que Franck Ribéry découvrait. Mais bon, je pense que Franck aussi, le fait de côtoyer un garçon comme Zidane, pour lui, c'était un rêve qui se réalisait. Je pense que Zidane lui a porté son expérience dans l'approche de ses grands matchs, hein, parce que c'est des grands matchs, hein, les matchs de Coupe du Monde. Je ne sais pas si Zidane l'a de la double, mais déjà, il reconnaît comme joueur. Après, il y a deux reconnaissances possibles, surtout dans un groupe qui vient moins de mieux ensemble. Soit la reconnaissance est purement sociale, c'est quelqu'un de sympa, d'amusant. Soit la reconnaissance est également sportive, et c'est le cas de Ribéry. On voit bien que Ribéry amène quelque chose, que c'est un dribbleur, alors que l'équipe de France n'a pas beaucoup. Que c'est quelqu'un d'explosif, qui peut amener quelque chose. Donc Zidane, il n'est pas fou, il le voit très vite. On n'a pas pu penser peut-être au départ à la passation de pouvoir, mais moi je savais que bon, Zidane, partant à la retraite, au niveau de l'équipe de France, c'est lui qui allait prendre la suite. Mais sur le plan technique, le successeur de Zidane, c'est Franck Ribéry. En quelques semaines, Franck Ribéry a conquis tout le monde par ses qualités techniques, son insouciance. Et si cette attitude décomplexée venait aussi de son histoire personnelle. Le Parti socialiste et les élus du Pas-de-Calais appellent l'État à la rescousse après la fermeture annoncée de la Comilog. L'arrêt programmé de la fonderie qui emploie plus de 350 personnes menace la moitié de l'activité du port de commerce. Nous sommes en 2003. Une fermeture d'usine comme il y en a beaucoup dans le Nord-Pas-de-Calais. Celle de la Comilog frappe durement la ville de Boulogne-sur-Mer, où a grandi Franck Ribéry. Une certitude, ici, la fermeture de l'usine signe la fin d'une époque.
Boulogne-sur-Mer, cité portuaire et ouvrière de 45 000 habitants, reste le premier port de pêche français en 2012. Une activité touchée régulièrement par les difficultés économiques. Dans ce contexte pas toujours facile, le chemin vert ne fait pas exception. C'est dans ce quartier récemment rénové que Franck Ribéry passe son enfance puis son adolescence. Jean-Louis Etienne le côtoie lorsqu'il intègre les sélections de jeunes. Il a aussi été éducateur au chemin vert. À part la grande tour qu'on voit là-bas, tout a été rasé. Et bah, tout est rénové depuis, ça fait maintenant 2-3 ans que le quartier est dans cet état-là, quoi. Il nous amène là où vivait Franck Ribéry, une barre d'immeubles de la cité Transition, aujourd'hui détruite. Bon, ah voilà, donc là, bah ici avant il y avait la grande barre Z, où il y avait 10-12 entrées, et bah, c'est là où il habitait, avec la vue sur le terrain de la Légion d'honneur où il a fait ses premiers pas de footballeur. Lorsqu'il était enfant, Franck Ribéry fréquentait ces terrains. Des matchs de foot entre copains des heures durant, auxquels participait notamment Tony Bourgois. On a grandi presque ensemble donc dans la cité de Transition, et on avait un terrain derrière ce qu'on appelait avant le bâtiment W, un terrain rouge, où tout le monde se retrouvait après l'école pour jouer au foot. C'est un quartier populaire, ouvrier, où la majorité des gens qui habitaient à l'époque ici vivaient soit du monde de la pêche, ou du milieu des bâtiments ou des terrassements, comme le père de Franck, famille d'ouvriers, comme la majeure partie des gars qui ont grandi ici. Un milieu modeste et une passion familiale, le football. Comme le montre cette photo sur laquelle sont réunis François, le père, et Franck, le fils. Des parents qui parcourent régulièrement les 140 km entre Boulogne-sur-Mer et Lille, lorsque Franck se retrouve seul au centre de formation. Jean-Noël Duzé, à l'époque en charge des moins de 17 ans lillois, se souvient de leur venue régulière, les jours de match. Lui, il restait au centre et c'était eux qui venaient tous les week-ends. Ils venaient le voir. Ils lui apportaient des biscuits. Ils apportaient toujours quelque chose aux autres aussi, aux gars du centre, tout ça. C'est des gens qui venaient jamais les mains vides, quoi. Ils apportaient toujours quelque chose aux autres gamins, quoi. Pendant ces 4 années au centre de formation, Franck Ribéry se lie d'amitié avec Julien Zanguignan. Pour T-Franck, comme il est surnommé, comme pour ses parents, le football devient très vite le moyen de réussir sa vie. Il était, pour ainsi dire, interne et vraiment fixe au centre. On voyait ses parents de temps en temps. Alors, il passait les fêtes de Noël et quelques autres vacances scolaires, parce qu'on avait très peu de temps libre accordé et on repartait que très peu chez nous. Mais il était, il était le 99% de son temps à l'année, il était au centre. Ouais. Et je pense que le centre de formation était arrivé à ce moment-là pour lui donner une seconde vie, entre guillemets. Là, il était dans un contexte, d'abord pour lui, parce que c'était le football. Et pour lui, le football, c'était la chose la plus importante. Il savait déjà qu'il était dans un centre de formation. Donc centre de formation, ça veut dire possibilité un jour d'être professionnel. Donc c'est sûr que c'était quelque chose d'important. Franck Ribéry puise dans son parcours personnel une véritable force de caractère. Un tempérament qui lui permet de faire face sur un terrain. Au cours de l'été 2003, il rejoint Brest, qui évolue en National. Lorsque Jackie Le Gall l'accueille, le jeune boulonnais doute. Et bien sûr, et sous ses apparences de garçon de banlieue, je dirais. Hein. Quand une fois, on n'en parlait pas, de la banlieue du chemin vert à Boulogne. Hein, où il me disait, tu vois, si j'ai 10 devant moi, ils ne me font pas peur et je relève la tête. Moi, je disais, bah, pourquoi tu relèves pas la tête sur le terrain, là? Si dans ta banlieue, tu n'as pas peur, pourquoi sur le terrain, tu ne vois pas plus? C'était l'objet de plusieurs discussions entre nous. Attaché à ses racines, il ne les renie pas, bien au contraire, même lorsqu'il bascule dans la notoriété. Maman ! T'as arrêté où, là, les cartouches de jeu ? Ça va, mère ! Dans quelques heures, Franck Ribéry va rejoindre les Bleus pour disputer la Coupe du Monde. Ses dernières heures en France, il les passe dans son quartier, au milieu des siens. Une journée mémorable.
tout le monde l'attendait en bas du hall d'entrée. Et Franck, là, il joue un peu au magicien, il descend en cachette, il se faufile dans une cave pour atterrir finalement à une autre entrée. Et là, c'est merveilleux. Et il passe, je ne vais pas dire la soirée, mais presque, à signer des autographes, à faire des photos. Tout le monde se communiquait en disant « Je viens de faire une photo, j'ai eu un autographe. » Et le monde amenait le monde. Cet épisode, cette Coupe du Monde, change durablement l'image du chemin vert. Quand les gens de l'extérieur parlaient du quartier, généralement, on n'en parlait pas en bien. Et je me souviens, à l'approche de l'annonce de la sélection de Franck en équipe de France, et même après, on voyait des gens de l'extérieur du quartier et des gens des villes alentours qui venaient en espérant croiser Franck Ribéry. On voyait des gens qui se baladaient dans le quartier avec leurs enfants, appareils photo en main et tout, pour croiser Franck. Alors qu'il y a des gens qui, à l'époque, n'osaient pas s'aventurer dans le quartier. Pendant plus d'un mois, le chemin vert, auparavant stigmatisé, devient le terrain de reportage favori des télévisions, des radios, des journaux. Un déferlement médiatique qui surprend même les élus. Elle a tout de suite dit qu'il était boulonnais. Tout de suite dit. À partir du moment où il a eu ses relations avec la presse, on lui dit qu'il était boulonnais. Donc tout de suite, les médias sont venus. Alors c'est une image d'un gamin d'un quartier qui, à un moment donné, vit dans un quartier, a eu sa propre trajectoire, a eu des difficultés, a eu des moments difficiles. Mais c'est ça aussi qui est magique en termes de sport, c'est qu'à un moment donné, on peut se révéler, on peut avoir des qualités. Et ça rejaillit un peu sur la ville, notamment sur le moral, sur l'ambiance, et puis aussi sur cette possibilité qu'ont les jeunes, à un moment donné, de pouvoir travailler, de réussir. Et donc, oui, ça rejaillit, bien sûr. Franck Ribéry est érigé en modèle de réussite. Un statut qu'il assume et même qu'il revendique. Voilà, je suis très content d'habiter au Chemin Vert, c'est mon quartier. Et voilà, j'espère qu'il y aura des autres personnes qui pourront essayer de faire la même chose. Il y a la possibilité, il y a de bons joueurs. Et quand on habite dans un quartier, c'est pas toujours facile, mais il faut être fier d'où on habite. Il ne faut pas oublier ses racines. Allez, Chemin Vert. Une déclaration forte, celle d'un jeune homme de 23 ans qui s'appuie sur les mêmes personnes malgré la très forte médiatisation dont il fait l'objet. Cette séquence est rare. Franck Ribéry avec sa fille, sa femme, son frère et son cousin sur le plateau de l'OMTV. Nous sommes en 2005 et la famille Ribéry semble vivre le plus naturellement possible la notoriété soudaine de Franck. Parce qu'on voit son mari jouer comme ça, comment on vit ce match hein? Ah bon, on le vit à fond. Moi, je suis avec lui, hein. Je suis dans les tribunes et je le vis avec lui. Waïba est elle aussi originaire du Chemin Vert et sa présence compte beaucoup. À Brest, les premiers mois, Franck Ribéry se retrouve sans sa famille ni sa fiancée, toujours à Boulogne-sur-Mer. Mais à l'époque, elle était restée là-bas, elle ne venait que quelques fois, puisqu'elle habitait encore là-bas. Franck était tout seul, c'est pour ça que je le voyais très très souvent, et elle est arrivée à l'encours de saison. Une arrivée déterminante. Franck Ribéry enchaîne alors les performances de haut niveau, le club breton est même promu en Ligue 2. Il y a une image d'ailleurs qui est très forte. Lorsque l'on monte et qu'il fait un tour d'honneur, avant de faire son tour d'honneur sur le terrain, il sort un panneau qu'il avait donc préparé, enfin une petite banderole, Waïba, je t'aime. L'opinion de Waïba est très importante. Alors qu'il tente de le faire signer au FC Metz, Jean Fernandez comprend qu'il doit convaincre, non pas un homme, mais un couple. Mais je peux vous dire qu'on lui a téléphoné pour qu'elle soit le lendemain matin
Donc à la gare de Metz, on est allé la chercher, on l'a fait venir, et je peux vous dire que son avis a beaucoup compté. Nous, on a fait en sorte aussi de la mettre dans les meilleures conditions, mais son avis a beaucoup compté, parce que déjà à l'époque, Franck et Wahiba, ils étaient très très proches. Ils n'étaient pas encore mariés, mais je sentais vraiment qu'ils étaient très très unis, et je savais que l'avis de Wahiba allait être très très important. De l'adolescence à Boulogne-sur-Mer, à la folie de Brest ou de Marseille, les années passent, mais les proches restent les mêmes. On était dans le Nord, on était joué à Valenciennes, on a été... Bon, et à chaque fois qu'on allait là-bas, il y avait d'ailleurs un car entier qui venait de Boulogne. Je me rappelle notamment à Valenciennes, où il m'abute à 10 minutes de la fin, à quelques journées, qui est pratiquement synonyme de montée pour nous. Et il y a une tribune entière qui s'est levée, puis il me dit à la fin, allez, viens. Ils sont tous là, les gars de la cité. Et il y avait une cinquantaine de personnes, il me les a présentées, et c'est vrai que c'était assez extraordinaire. Une femme, des amis, des cousins, qui le suivent jusqu'en Allemagne. En 2006, ce n'est pas la Coupe du Monde de Franck Ribéry, mais celle de la famille Ribéry. C'est quelque chose qui est assez attachant, qui est assez touchant, qui a cette espèce de fidélité autour de lui. Mais parce qu'effectivement, il a basculé très vite des galères du national à 500 euros par mois, à la célébrité, au gros contrat à Marseille, à je ne sais plus combien. Et donc forcément, il n'y a pas de transition pour lui. Donc ses amis il y a un mois, ben c'était les amis du national et c'est les mêmes, donc ça n'a pas changé. Je pense que depuis, ça a peut-être changé un petit peu, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait cette fraîcheur-là. Franck Ribéry et ses proches savourent pleinement ces instants de gloire. Une forme d'aboutissement après une première partie de carrière, semée d'embûches. C'est un trésor, conservé précieusement. Un des premiers maillots de Franck Ribéry, celui du FC Conti qu'il porte à l'âge de 5 ans, alors qu'officiellement, il n'a pas encore le droit de disputer un match. Bah, il était encore trop petit pour jouer, mais il jouait quand même. Il n'avait pas encore de licence, qu'il jouait déjà à l'époque avec les débutants. C'était le plus petit, mais c'était déjà le joker. Il savait attaquer, il savait défendre, garder le ballon. Le FC Conti, puis l'ACO Aiglon. Franck Ribéry fréquente les clubs de son quartier, à Boulogne-sur-Mer. Donc ici, c'est le début de Franck à l'ACO Aiglon. Donc il avait peut-être 7 ans. C'est un bon souvenir pour nous, pour les gamins, pour les jeunes de Aiglon. S'il n'était pas encore président du club à l'époque, pour M. Mahazoun, le passage de Franck Ribéry bouleverse à jamais l'histoire de l'ACO Aiglon. Ah bah, c'est important parce que l'Aiglon, en fin de compte, bon, quand je suis arrivé aux Aiglons en septembre 2006, je vous ai dit, c'est la foule des gamins qui arrivent aux Aiglons parce que Franck, il est type des Aiglons. On est petit, mais on est devenu grand grâce à Franck Ribéry, en fin de compte. Le parcours, jusqu'ici classique, d'un jeune footballeur aux qualités atypiques. José Pereira l'a entraîné pendant plus de 5 ans. À l'époque, ce qui l'impressionne, ce n'est pas le physique, mais déjà la technique de son jeune joueur. Et Franck a toujours eu cette vitesse de course, hein, petit, avec le ballon dans les pieds. C'est un garçon qui allait très vite. Et puis c'était un garçon qui avait envie, quoi, qui avait faim. Quoi. Les meilleurs joueurs, ils viennent de où? Les meilleurs joueurs? Ils viennent des cités. Pourquoi? Parce que les gamins passent leur journée à jouer au ballon. Au départ, c'est comme l'instinct, c'est eux qui l'ont. Quoi. Un style vif, technique, prometteur, qui très vite attire la convoitise d'un grand club du Nord, un club professionnel, le LOSC. En 1995, la carrière de Franck Ribéry bascule une première fois. Bluffé par les qualités de son jeune espoir, José Pereira fait tout pour le faire entrer au centre de formation de Lille, à leur club de première division. J'avais mon fils qui était au centre de formation. Et j'avais des très bonnes relations avec M. Duzet. Et M. Duzet m'avait dit, si un jour vous voyez quelqu'un, j'y vois, j'en ai un. Il me dit, écoutez, M. Duzet, j'ai un jeune dans mon quartier, il sait tout faire avec le ballon. Et bon, comme je sais qu'au centre, c'est quelqu'un qui s'adaptera et que vous êtes là, j'aimerais bien que le petit vienne à Lille.
Donc je lui ai dit, écoutez, amenez-le un mercredi après-midi, on le fera s'entraîner avec les jeunes de son âge et on regardera. Et c'est comme ça que Franck a atterri à Lille. À 12 ans et demi, il devient le plus jeune pensionnaire du centre de formation. Au milieu de joueurs comme Johan Cabaye ou Benoît Chéroux, qui quelques années plus tard deviendront titulaires en Ligue 1, il ne tarde pas à s'affirmer. D'abord, il fallait savoir s'il allait pouvoir s'adapter, parce qu'à 12 ans et demi, c'est pas évident de quitter sa famille, de rentrer dans un système. Mais bon, lui, il s'est très, très vite habitué à ce genre de choses, quoi, hein. Toutes ces qualités qu'il démontre maintenant, quand il était jeune, il avait ça. Peut-être pas aussi importante que maintenant, mais il avait ça. Physiquement, il était en pleine croissance. On ne pouvait pas dire qu'il dégageait une force physique au-dessus de la moyenne. Après, dès qu'il avait le ballon, c'était autre chose. C'était un autre joueur. Il avait cette facilité à éliminer, cette facilité technique. Il prenait les 3-4 clémentines et puis il jonglait, il s'amusait. Balle de ping-pong, il s'amusait. Il était au-dessus des autres techniquement, naturellement. La voie paraît toute tracée pour Franck Ribéry. Son rêve, devenir footballeur professionnel, en passe de se réaliser. Mais lors de la saison 1999-2000, ce rêve s'arrête brutalement. On rentre des cours, monsieur et madame Duzé nous réunissent. Voilà, les garçons, il y a un souci, Franck a été exclu. On va essayer de voir ce qu'il est possible de faire. Et puis on réalise pas, quoi. On réalise pas tout de suite ce qui se passe. Et puis on le revoit pas. Un jour, deux jours, une semaine. Pas de nouvelles, donc on avait compris que c'était définitif. Définitif, ouais. Après 4 années au centre de formation, Franck Ribéry est renvoyé. Un choc, c'est-à-dire que si vous voulez, quand on discute en fin de saison, où on discute sur la valeur des jeunes, du départ, ou qu'on garde ou pas, bon, franchement, moi, je ne l'aurais pas laissé partir. Maintenant, après, c'est un choix qui a été décidé sur l'ensemble, et puis c'est comme ça qu'il est parti, quoi. C'était bien dommage. On n'a pas eu forcément l'explication. On nous a parlé de problèmes extrascolaires, peut-être. On nous a parlé de problèmes sportifs, peut-être aussi, je ne suis pas certain. Mais je n'ai jamais eu l'explication et je pense que peut-être qu'on ne l'aura jamais. En tout cas, ça s'est terminé d'un coup comme ça. 13 ans plus tard, plusieurs versions s'affrontent toujours. Les dirigeants de Lille évoquent des incidents à répétition dans la cour de récréation du collège. Franck Ribéry, lui, pointe des critères physiques. Comment ne pas tout laisser tomber lorsqu'à 16 ans et demi, votre avenir s'assombrit d'un coup? Sur la route du retour vers Boulogne-sur-Mer, José Pereira ne trouve pas un garçon effondré. Au contraire. Moi, il était à peine monté dans la voiture sur la route qu'il m'a dit « Je vais pas arrêter là. » Alors maintenant, bon, vous savez, j'ai fait, je pense, il a passé 3 ans à Lille. Bon, c'était encore un gamin, hein. Bon, ça s'est passé tel que ça s'est passé. Mais en le ramenant à Boulogne, j'ai senti, je savais pas qu'il allait avoir cette carrière là, mais j'ai dit, bon, on va faire quelque chose, quoi. Quand j'étais encore animateur pour le développement social urbain, Franck se fait renvoyer du LOSC et il est pris dans notre service en contrat d'apprentissage pour continuer dans les métiers du sport. Mais en fin de compte, pour lui, c'était une étape. Parce qu'il nous disait toujours « je veux jouer en Ligue 1 ». Sans parler de l'équipe de France, lui, il voulait jouer en Ligue 1, passer à la télé. Franck Ribéry garde le même rêve en tête. Un jour, devenir footballeur professionnel. Plutôt que de se morfondre, il se relance avec le club local de Boulogne-sur-Mer. Nous sommes en 2001, en championnat national, et son nom est pour la première fois prononcé à la télévision. But marqué en deuxième période par Djebadi à la 65e et Ribéry à la 82e. Au classement, avec ses 10 points, l'USBCO est en 12e position. Un an et demi après son exclusion du centre de formation, le joueur a changé, progressé, mûri. On l'a reçu avec Boulogne-sur-Mer à Lille, en CFA, et on jouait l'un contre l'autre. Et c'était déjà plus le même joueur. Il était rentré en cours de match, et il avait changé la partie à lui tout seul. C'était à Grimont-Préjoris, l'ancien stade de Lille. On avait, je me rappelle, on avait perdu 1-0.
Et il avait été déterminant sur ce match-là. Et on s'était dit, punaise, qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Franck Ribéry n'hésite pas à tenter sa chance aux quatre coins de la France. 10 mois à Alès en national, des essais à Guingamp puis à Caen, sans succès. Nous sommes à l'été 2003. Retour une nouvelle fois à Boulogne-sur-Mer pour travailler avec son père comme terrassier. Une étape difficile dont il reconnaît plus tard les effets bénéfiques. Je voulais pas trop un peu galérer sur Boulogne et mon père m'a pris avec lui pour travailler 2 mois. Puis ben, je suis content parce que ça m'a fait du bien et puis j'ai mûri. Et après, pour la suite, c'était bien pour moi. Car au moment où tout semble perdu, un club va lui donner sa chance. Peut-être la dernière. Le Stade Brestois stagne en national depuis 3 ans. Philippe Goursat, le directeur général du club, connaît le talent de Franck Ribéry. Il tient absolument à le recruter malgré ses échecs répétés. Jackie Le Gall est chargé de l'accueillir. Il débarque sur le quai de la gare et je vois arriver dans la gare de Brest avec sa tête. Et j'ai dit tiens, il ressemble à la description qu'on avait faite. Et au premier regard, il y a eu quelque chose, un sourire, quelque chose. On est monté au siège, le président le fait signer, 1500 euros par mois à l'époque, plus bas salaire de l'équipe, c'était qu'il y a simplement 10 ans. Et il m'appelle dans le bureau en me disant, Franck, on n'a pas que des bons échos sur toi, donc Jackie qui est là, il va te surveiller comme le lait sur le feu. Si ça ne va pas, il me dit, et tu retourneras chez ton père. Franck Ribéry, face à ses responsabilités, cet ultimatum agit comme un déclic. Comme j'y disais toujours, tu sais, ici, le club compte pas vraiment sur toi. T'es plus bas salaire. Si ça marche pas cette année, bah, si t'es chez nous l'année prochaine, on t'attend peut-être que l'année prochaine. Donc t'as le temps. Prends confiance en toi. Et en fait, dès le mois d'octobre, je commence à être titulaire. Franck Ribéry éclate au grand jour. Ce jeune attaquant de 20 ans va éclabousser de sa classe toute la saison du Stade Brestois. Une influence déterminante dans la remontée en Ligue 2. Une vingtaine de passes décisives. Ribéry donne un nouvel élan au club breton, au public, à ses partenaires. Il était au-dessus, donc pour nous, jouer avec un joueur comme ça, c'est plus facile. Parce qu'on savait qu'à tout moment, il était capable de faire la différence. Voilà, même ici, les gens vibraient, parce que voilà, dès qu'il avait le ballon, on sentait. Et ici, en plus, il ne faut pas grand-chose pour mettre le feu. C'était un battant, un combattant. Et puis il avait cette vitesse, cette capacité à dribbler, à éliminer, qui fait que bah, voilà, il était adoré de tout le monde. Et en plus, c'était pas que pour le beau, c'était très efficace. Brest, le tremplin qui lui permet de se faire un nom, de séduire des techniciens reconnus. Une fois la montée assurée, sollicité par plusieurs clubs de Ligue 1, il prend conseil auprès de Laurent David. On jouait le dernier match de la saison à Raon-l'Étape. Et effectivement, on était dans le fond du but, je me rappelle, et puis ben voilà, on parlait des différents projets qu'il pouvait avoir, et il m'avait parlé de Metz. Et je lui avais dit, moi, oui, je trouve que c'est un très bon choix, parce que tu vas avoir un entraîneur qui va te faire confiance, c'était Jean Fernandez. Quand je vais à Raon-l'Étape, je vais pour le voir jouer. Et puis quand j'arrive là-bas, on me dit qu'il joue pas. Donc moi, je discute un petit peu avec lui, je lui ai expliqué un petit peu le projet sportif, et je lui dis, moi, la seule certitude aujourd'hui que moi je peux te donner, c'est au niveau financier, non, tu ne gagneras pas de l'argent au FMS, hein, par contre tu vas jouer en Ligue 1. Et je lui dis, si tu réfléchis bien, aujourd'hui ne privilégie pas le critère financier, mais plutôt le critère sportif. Et le gamin, il n'a pas mis longtemps à réfléchir. En signant au FMS, Franck Ribéry accomplit son rêve d'enfance, devenir footballeur professionnel. Et il ne tarde pas à confirmer les espoirs de Jean Fernandez. Août 2004, quatrième journée de Ligue 1. Au stade Vélodrome, devant 60 000 spectateurs, face à des internationaux comme Vicente Lizarazu et Fabien Barthez, Franck Ribéry ridiculise la défense de l'Olympique de Marseille. De grandes frayeurs créées par ce petit gabarit d'1m70 et 62 kilos. Même José Anigo, l'entraîneur marseillais de l'époque, est stupéfait.
Je ne le connaissais pas du tout, alors que d'habitude, je me penche moi, sur les joueurs nationaux, Ligue 2. Et Franck, je ne le connaissais pas. Il arrivait de nulle part et il nous a mis KO tout seul. Il a fait des choses techniquement, mais surtout en vitesse, que je ne voyais plus depuis très longtemps. Dans les 1 contre 1, il n'y avait pas un joueur de Marseille qui arrivait à l'arrêter. Impossible. Quand on le découvre pour la première fois, c'est assez surprenant. Franck Ribéry passe du championnat national à la Ligue 1 sans période d'adaptation. Il n'est plus un espoir, il devient déjà un talent reconnu. C'était Franck chaque fois qu'il faisait la différence. Nous, on avait une bonne génération. À ce moment-là, il y avait Aubragnac, il y avait Meria, il y avait Signorino. Il y avait une génération qui se mettait en place. Mais Franck, quand il est arrivé, il nous a donné une dimension qui a fait que pendant un mois, on était leader du championnat, alors que normalement, on a une équipe uniquement pour jouer le maintien. C'est le dribble, il est capable de dribbler n'importe qui. Le jour où il est bien physiquement, le jour où il est bien en confiance, vous le mettez sur le côté gauche, vous lui donnez un ballon, et là il est capable d'éliminer n'importe quel défenseur au monde. Désormais, tout le monde connaît Franck Ribéry, et sa notoriété dépasse déjà les frontières. À l'hiver 2004, il rejoint Galatasaray. Il y soulève son premier trophée, la Coupe de Turquie. Mais encore une fois, il ne s'éternise pas. Après seulement 6 mois, et en raison d'un litige financier, le Boulonnais s'engage avec le club le plus populaire de France, celui face auquel il s'est révélé, Marseille. Un transfert à l'OM, presque par hasard. Non, mais c'est une anomalie, en fait. Je me souviens très bien, c'est un dimanche. Pape Diouf m'appelle pour me demander de venir au bureau. Ça devait être... Il me dit, viens, on a un rendez-vous à 19h. Franck Ribéry, j'ai eu son agent. Et il s'arrête au passage en allant à Monaco. Mais en fait, l'itinéraire, c'était Monaco et pas Marseille. Donc sur ce passage, bien entendu, il y a Marseille. Il s'arrête, on fait le rendez-vous à 19h. Ça finit très tard et Franck ne va jamais à Monaco et signe à Marseille. Maintenant, moi, je suis très content d'avoir signé, d'avoir confiance de la part des dirigeants. Et j'espère que je vais faire le maximum ici. Essayer de continuer depuis un an et demi ce que je produis sur le terrain. Et je suis très content d'être Marseillais. Ouais, on a beaucoup vendu le club, beaucoup vendu ce que ça pouvait lui apporter. Et je me souviens très bien, pour l'avoir dit à certaines personnes, vous verrez, ce garçon-là ira en équipe de France. Il a un potentiel tellement fort que ça ne peut pas être autrement. À Marseille, Franck Ribéry découvre la concurrence au quotidien. Il apprend à gérer la pression des supporters. Il progresse encore et encore. Il avait cette capacité à faire basculer un match par ses dribbles et ses accélérations qui, je pense, pouvait ne pas passer inaperçu, d'autant que l'OM révèle beaucoup de choses quand même. Hein. On le voit aujourd'hui, certains joueurs, ils font 3 ou 4 matchs et ils se retrouvent en équipe de France aussitôt. Donc, on ne savait pas. On voyait se profiler le phénomène Ribéry dans ce sens-là. Oui, on l'a vu monter en puissance. Au talent, déjà unanimement reconnu, il ajoute une nouvelle qualité indispensable pour un jour rejoindre l'équipe de France, le mental. Tous les joueurs savent tous manier le ballon. Entre faire à l'entraînement ce que vous savez faire, ce que vous êtes doué pour le faire, et le retranscrire en match de championnat, Coupe d'Europe, Coupe du Monde, c'est un autre parcours. Parce que là, il y a de la pression, il y a de la tension, il y a du regard. Et on perd la plupart du temps ce grain de folie que j'aime voir, moi, chez les joueurs. Et Franck a gardé ça. Il joue Franck comme un enfant jouerait avec ses copains sur un terrain vague. Je ressens encore chez lui ce plaisir que l'on ne voit plus trop chez certains joueurs de foot. On dirait quelquefois qu'il y a une contrainte, que c'est devenu trop professionnel entre guillemets. Et Franck a gardé ce côté un peu amateur qui fait de lui quelqu'un d'à part, quelqu'un de différent. Franck Ribéry, des doutes à la gloire en 3 saisons à peine. Sa trajectoire n'a pas d'équivalent. Mais s'il a su surmonter les épreuves, c'est aussi en raison d'une personnalité tout aussi atypique.
C'est un épisode dont Franck Ribéry porte toujours les stigmates. À l'âge de 2 ans, il est victime d'un accident de voiture. Son visage reste marqué. Il doit subir les moqueries de certains de ses camarades. Pour nous, c'était dur, et puis surtout pour lui à l'école, quoi. Avec une cicatrice, il y a toujours des gosses qui disent n'importe quoi, quoi. Il fallait être fort mentalement, il fallait avoir du caractère, il fallait être courageux. Des fois, ça m'arrivait de partir dedans tout seul, pleurer ou des choses comme ça. Même des années plus tard, des supporters le provoquent toujours sur son physique. Lui ne répond jamais, préférant l'ignorance face à la stupidité de certains détracteurs. En fait, quand son œil aurait pu, mettons, faire rétrécir sa cicatrice, bon, mais je veux dire, après, c'est plus comme ça, bon, c'est ça, signe de vie, quoi. Je trouve que c'est un peu impudique aussi, quand quelqu'un a une blessure comme ça, d'en parler, donc voilà. Mais il rechignait pas à en parler, enfin, c'était pas un problème pour lui, quoi, voilà. Je pense que ça n'a jamais été un problème pour lui, et je trouve ça fort. Malgré tout ce que ça pouvait dégager comme image et représentation pour les gens, et fantasme pour les gens, forcément, je trouve ça fort qu'il ait gardé cette identité-là. Un épisode douloureux qui aurait pu modeler une personnalité lisse, effacée. Avec Franck Ribéry, c'est tout le contraire qui se produit. Oh, attends, ça... bonjour. Ça, Franck, c'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, j'ai toujours dit. Il ne joue à l'OM que depuis quelques mois. Pourtant, Franck Ribéry n'hésite pas à chambrer, à moquer, à mettre le bazar sur le plateau de la chaîne du club marseillais. Un esprit farceur qui détonne dans l'environnement généralement feutré d'un club de haut niveau. Voilà, Dédé, ça lui fait du bien. Il a toujours cet esprit potache. Il est pas heureux s'il a pas fait une connerie dans la journée, quoi. Il est pas heureux s'il a pas fait une blague à quelqu'un. Il est bidon, Ribéry, moi je le dis devant la France. Vous entendez Laurent Spinozzi qui dit qu'il est bidon. Enfin, c'est pas ce qu'on pense, hein. Je pense que tous les Marseillais ont pensé que ça a été très bon ce soir. Il y a un poster dans sa chambre de moi et tout, Spinozzi. Tous les soirs, il me regarde avant de dormir. Hein. Des moments où il faut lui dire arrêtez, il est capable même à l'intérieur d'un hôtel de vous envoyer un seau d'eau en pleine réception. Hein. Il en a rien à faire. Hein. Il faut gérer, quoi. C'est pas facile. Oh, ça pouvait être un truc de base, hein. Le sel dans les assiettes, les piquets des chaussures ou les lacets, ou n'hésitait même pas soit les joueurs ou des membres du staff. Hein. Il avait voilà, c'est parce qu'il était comme ça et c'était aussi, je pense, sa façon d'exister. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, pas même la présence de son modèle, Zinedine Zidane. Quand il a été sélectionné l'équipe de France, je le vois donc et je lui dis bon alors tu fais tes conneries pareil. Bah ouais. Mais le coup de la salière que tu dévisses sur la table pour que le sel rentre. Tu l'as fait ? Ouais. Mais tu l'as pas fait à Zidane. Ah bah si, c'était le premier. Il savait le faire en fait. Il savait le faire, c'était le petit garnement, le petit chenapan que j'appellerais. Mais il n'empêche que c'est peut-être en partie comme ça. Et c'est lui qui pourrait répondre, ou d'autres joueurs de l'équipe de France, qu'il a réussi à bien se mettre dans le groupe. Moi, d'entrée de jeu, il essaie, vous savez, bon, moi j'ai 1m90 et lui, il est pas très grand. Donc, tout de suite, sur le terrain ou dans la vie de tous les jours, il essaie d'arriver là, de faire le mec un peu plus costaud que moi, aller, le petit coup d'épaule. Et bah, tous les jours, c'était quasiment un rituel à l'entraînement. Et même dans la vie de tous les jours, il essayait de me montrer, tu vois, je suis plus costaud que toi. C'était assez marrant. Tout de suite, vu que c'était quelqu'un de méchant. Et oui, il y a certaines blagues qui peuvent être de temps en temps de mauvais goût, mais c'est pas fait avec méchanceté, c'est fait avec bon cœur, même si il peut avoir un peu de maladresse. Et c'est ça surtout qui a fait que, allez, on a tout de suite senti de la sincérité, et c'est ce qui fait qu'on l'a adopté. Franck Ribéry se démarque par une personnalité joviale, un caractère entraînant pour ses partenaires, comme pour les supporters. En 2004, le temps d'une soirée, il se mue en chauffeur de stade pour fêter la montée de Brest en Ligue 2. Quelque part, c'est un showman. Il a peur de rien et il entraîne 5000 personnes avec lui. Et puis, il se balade partout sur le terrain avec son micro. Un personnage qui, sous ses airs de bout en train, peut être par moment à fleur de peau. Lorsqu'il arrive à Brest, Franck Ribéry doit faire ses preuves. Pour espérer jouer, son comportement doit être irréprochable. Après un premier mois difficile, il s'impose.
lorsqu'un épisode dramatique vient tout bouleverser au moment des fêtes de fin d'année. Il rentre de la trêve. J'ai pas eu de ses nouvelles pendant 8 jours et je le trouvais très bizarre, il ne m'appelait pas. Bon, je le retrouve sur le quai de la gare à nouveau. Et là, je le vois et il était en larmes. J'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai perdu ma petite cousine qui a été élevée avec moi. Elle est partie en 2 jours. Il dit, c'est pour ça que je t'ai pas appelé. Il n'était pas bien. Il ne le dit pas à ses coéquipiers. Et puis, il y a un embrouille avec un joueur, comme ça arrive dans beaucoup d'équipes. Il le prend très mal. Il rentre au vestiaire, il prend ses affaires, il dit, je rentre à Boulogne. Franck Ribéry pense à tout laisser tomber. Jackie Le Gall va alors trouver les mots justes pour le convaincre de rester. Il dit, tu vas jouer pour ta cousine. Donne-moi la photo. On est allé faire un t-shirt. Tous les jours après, il a porté le t-shirt avec la photo. Et je dis, moi, je sais que tu vas mettre un but important. Et ce but, il sera pour ta cousine. Un tournant. Dès le match suivant en Coupe de France, il se montre décisif. On va à Ajaccio, Gazélec, 32e de finale. On gagne, il met un but, 2 passes décisives. Deuxième attaque et 2e but pour Brest par Ribéry. Ceux qui l'ont entraîné sont unanimes. Franck Ribéry fonctionne à l'affect. Il faut lui porter une attention toute particulière. Franck, il est passé par des moments difficiles, hein, notamment dans son adolescence, dans sa jeunesse, il est passé par des moments difficiles. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de caractère, mais comme beaucoup, beaucoup de joueurs, il a besoin de sentir de l'amour, hein, des gens avec qui il travaille, et notamment de son coach. Donc c'est un affectif, quand vous lui donnez la confiance, il est capable après de vous la rendre incroyable. Ça demande beaucoup d'attention, ce genre de joueur, et beaucoup de respect. Et avec Franck, c'est important, il y a des points importants, notamment le respect de certaines choses. Une parole, c'est une parole. Si vous dites quelque chose, il faut le faire. Sinon, c'est compliqué après de pouvoir avoir des relations normales avec lui. C'est quelqu'un qui est très à cheval sur les engagements que vous devez avoir avec lui. Qu'on aime ou qu'on déteste, Franck Ribéry suscite des sentiments. Son caractère devient dès le début de sa carrière un sujet de discussion. Nous sommes en 2005 et il doit déjà répondre aux critiques. Avec 6 clubs en l'espace de 6 ans, Ribéry est souvent décrit comme instable et influençable. Bref, une étiquette de mauvais garçon. Les gens qui me connaissent pas et qui me jugent, c'est toujours embêtant et ça me prend un peu la tête. Parce que moi, je suis quelqu'un de tranquille, de simple, qui vit et que j'ai pas connu toujours des moments. J'ai connu des moments difficiles. Son comportement est par moments critiqué dans la presse. Son français régulièrement raillé. Il essayait de bien faire. Il était très concentré sur ce qu'il disait parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas forcément employer les bons mots. Et voilà, il avait cette. Cette lucidité-là, c'est dur, je trouve, l'exercice d'interview pour un jeune homme qui ne maîtrise pas forcément bien donc tout le vocabulaire, etc. Donc, il faisait vraiment des efforts pour être clair, mais pour être authentique aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de lui faire quelques courriers et de lui faire remarquer. Il réagissait très bien. Il n'était pas forcément conscient. D'ailleurs, il me disait, moi, tu sais l'école, hein. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on n'écrit pas bien le français ou qu'on parle pas bien le français qu'on peut pas s'exprimer, qu'on peut dire des choses. C'est ce que je lui disais à l'époque. Occupe-toi du terrain, t'occupe pas du reste. Une philosophie de vie que Franck Ribéry va suivre au pied de la lettre pour s'imposer comme un footballeur de haut niveau lors du tournoi qui le révèle, la Coupe du Monde 2006. Un match, une action, lui suffisent pour entrer dans l'histoire du football français, passer du statut d'espoir à celui de joueur décisif. 27 juin 2006, 8e de finale de la Coupe du Monde. La France affronte l'Espagne. Les Bleus sont menés 1-0 jusqu'à la 41e minute de jeu. Et un but de Franck Ribéry, son premier en équipe de France. Sa ville natale de Boulogne-sur-Mer s'embrase. Il lance les Bleus vers la qualification. Je ne viens même plus du but, mais je me souviens seulement de la joie, le sprint qu'il fait pour venir. Et comment il se jette. Je me souviens de,
C'est que ce moment-là où il y a une communion exceptionnelle de toute l'équipe, mais toute l'équipe. À ce moment-là, on sent que, voilà, il y a une équipe. C'est-à-dire du capitaine Zidane jusqu'au magasinier Manu. Tout le monde est heureux, tout le monde est heureux. La France gagne 3-1. Le but de Ribéry agit comme un détonateur. C'est la première fois qu'il fait la différence. Mais c'est un match qui fait une différence énorme. Il ne faut pas oublier que 5 jours plus tôt, l'équipe de France devait battre le Togo par 2 buts d'écart pour se qualifier. Et que dans tous les sondages, je crois que 70% des Français ne pensaient pas que les Bleus allaient passer le premier tour. Donc là, on est dans des jours qui basculent complètement. Et dans ces jours-là, un des éléments majeurs de ce basculement, justement, c'est le but de Ribéry contre l'Espagne, qui ramène à la surface une espèce de confiance, mais surtout une espèce de joie un peu partout, et dans l'équipe, et dans le pays. C'est quelque chose que tout le monde attendait depuis 6 ans. Il fait un match comme il a fait précédemment, sauf que là, c'est un 8e de finale contre l'Espagne. Et là, il arrive à garder un très très haut niveau. Et je ne veux pas dire que c'est la surprise. Il sait le faire contre des grandes équipes. Une Coupe du Monde, 7 matchs couperets, 2 mois au contact de joueurs qui sont titulaires dans les meilleurs clubs européens. Franck Ribéry vit un apprentissage accéléré, un tournant dans sa vie de joueur qui explique son niveau de jeu bien des années plus tard. À l'époque, il comprend comment exploiter au mieux ses qualités, la vitesse, les 1 contre 1. Et ses coéquipiers le voient progresser au quotidien. Il a cette capacité à pouvoir faire différents mouvements en très peu de temps. C'est-à-dire vous déséquilibrer, partir accélérer, cette capacité d'accélération, ralentir, changer de rythme, mais changer de côté, une vivacité qui est en paire. Et cette capacité de pouvoir prendre une décision très très rapidement, soit le dribble, soit faire la passe. Et donc ça, quand on est défenseur, défendre sur lui, c'est hyper compliqué. Maturité technique, progrès tactique. En club, Franck Ribéry était considéré comme l'électron libre. Il bénéficiait de beaucoup de liberté. Chez les Bleus, le Benjamin du groupe apprend à se fondre dans le collectif, quitte à jouer contre nature. Au fur et à mesure que la difficulté sportive monte, son impact diminue. C'est-à-dire qu'il est important contre l'Espagne, mais en quart de finale contre le Brésil, c'est déjà surtout quelqu'un qui défend. En demi-finale contre le Portugal, c'est quelqu'un qui va aider du côté de Ronaldo, qui va aider Sagnol à s'en sortir. En finale, c'est pas un joueur majeur non plus. Même s'il ne fait pas la différence offensivement à chaque fois, il a une telle générosité, il défend tellement, il se bat tellement dans tous les sens, que cette énergie-là, elle devient indispensable. Un but, une passe décisive. Les statistiques de Franck Ribéry sur cette Coupe du Monde ne sont pas exceptionnelles. Mais le joueur le reconnaît lui-même. Il mûrit dans la gestion des matchs et de la pression. Une pression incomparable avec ce qu'il a connu jusqu'à présent. Au quotidien, il observe, il apprend de ses partenaires. Je les regarde et j'essaie de faire un peu comme eux. Au niveau de, par rapport à tout, aux gens autour de nous. Surtout de rester calme et de continuer à travailler, de rester concentré. Ah oui, j'ai senti sa progression individuelle et puis collective aussi, au niveau des principes et tout. Donc après, bon, il avait tendance à beaucoup jouer avec le ballon. Après, il faisait des efforts aussi sur le plan défensif. Il avait la notion du collectif, il lâchait le ballon plus vite dans certaines situations. Donc il a beaucoup progressé sur le plan tactique avec les joueurs qu'il avait autour de lui. À 23 ans, Franck Ribéry dispute le match le plus important de sa carrière. La finale de la Coupe du Monde. Et si la France s'incline face à l'Italie, lui peut désormais prétendre au plus haut niveau, disputer les plus grandes épreuves, s'imposer dans les équipes les plus prestigieuses. Une compétition, la révélation. Il est un bel exemple pour beaucoup de joueurs qui ne sont pas arrivés au niveau professionnel par le biais des centres de formation. Il est un exemple dans le sens où tout est possible. Quand on croit et quand on travaille avec humilité et qu'on reconnaît ses erreurs, parce que Franck, il en a connu aussi, il a fait quelques erreurs dans le passé, on peut y arriver. Quand tu vas en finale de la Coupe du Monde, ça ne peut pas être un échec. Parce que tu joues la finale. Après, bien sûr, qu'il y a le ressentiment, on se rappelle tous hein, du match, bien évidemment. Mais il était déjà en finale de la Coupe du Monde. Il ne faut quand même pas l'oublier. Il n'y a que 2 équipes au monde qui vont en finale. Et la France y était, il y était.
Il a découvert un autre monde, il a découvert, en parlant avec les autres aussi, les sirènes étrangères, les gros clubs, le challenge des gros clubs. Parce que quand vous êtes à Marseille aujourd'hui, c'est quoi? Oui, on va faire une Ligue des Champions, mais est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions? Clairement non. Alors que lui, il parlait avec d'autres joueurs qui parlaient de gagner la Ligue des Champions, d'aller la jouer, mais de la gagner. Voilà, donc c'était toute la différence. Il a compris après qu'il pouvait se positionner en tant que joueur potentiellement capable de gagner une Ligue des Champions avec un gros club. Ben ça, il le savait. Après cette Coupe du Monde, rien ne sera plus jamais comme avant pour Franck Ribéry. Moi, mon but, c'est de continuer à évoluer, toujours de progresser, toujours rester pareil, le même, le simple dans la vie de tous les jours. Et voilà, mon truc, c'est pas de me poser de questions, de continuer à me faire plaisir, de donner du plaisir aux gens. Moi, ce que je repense, c'est qu'il y a des moments quand j'ai galéré et maintenant, tout ce qui m'arrive, je fonce. En 2013, pour la première fois de sa carrière, Franck Ribéry fait partie des trois nominés pour le Ballon d'Or aux côtés de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les Grands Docs, c'est terminé pour cette fois-ci. On se retrouve très vite sur l'équipe 21.